Ça ne fonctionne plus comme ça. Il y a quelques années, on a rencontré le DRH d'un groupe dans l'aéronautique. Beaucoup de secrets dans l'aéronautique. Et il nous dit, nous, on interdit à nos collaborateurs de communiquer sur Facebook et sur LinkedIn. On interdit à nos collaborateurs de communiquer avec les ingénieurs des groupes concurrents ou du secteur. Du coup, on sourit parce qu'en fait, nous, on travaille avec ces jeunes ingénieurs pour réfléchir un peu au monde du travail de demain. Et ils ont des communautés LinkedIn où ils se retrouvent tous. Et en fait, ils se retrouvent dans des cafés le soir pour parler des enjeux de transformation de leur boîte. Donc en fait, ça ne fonctionne plus comme ça au statut. Le manager, c'est quelqu'un qui va permettre et c'est quelqu'un qui va accompagner. Il sera toujours un peu expert, puisqu'on reste français. Donc il faut qu'il reste un peu expert. On a besoin de ça, mais expert d'un point de vue connaissance. La couche du dessus, pas l'expert dans la vis de 4 qui connaît tout dans le détail et est capable de reprendre tout votre travail. Le sujet, c'est la confiance. On passe finalement d'un manager qui, avant, vous disait voilà ce qu'il faut faire, voilà comment tu vas le faire, à un manager qui dit voilà pourquoi tu vas le faire. Maintenant, je suis à ta dispo si tu as besoin d'aide. Par contre, c'est ta responsabilité de venir de me demander de l'aide au bon moment. Et à moi aussi de surveiller finalement comment je fais confiance à ce collaborateur. Petite anecdote de ce point de vue-là, hein, quelqu'un qui est devenu un amiral dans la marine nationale qui raconte toujours la première fois où il s'est retrouvé en mer de Chine à piloter un bateau de guerre. Il avait moins de 30 ans, donc ce n'était pas une mince responsabilité. Il débarque dans le bateau et le premier soir, il y a le commandant qui lui dit « Ok, bah, tu vas prendre la barre. » Il est de nuit en mer de Chine, il n'a jamais commandé un bateau et il se retrouve à la barre. Et donc, le premier soir, le commandant reste à côté de lui et puis finalement s'en va au bout d'un quart d'heure. Et du coup, là, c'est un peu la panique. C'est, il n'y a plus le commandant, qu'est-ce que je fais? Si jamais il y a un problème, qu'est-ce qui se passe, etc. Et il y avait un sous-officier à côté. Et donc, en fait, ce jeune se tourne vers le sous-officier et lui dit « En fait, si j'ai un problème, est-ce que je peux vous demander ?» Et là, le sous-officier lui dit évidemment, de toute façon, le commandant m'a dit, si dans le quart d'heure après mon départ, il n'est pas venu te demander de l'aide ou te demander si tu étais dispo pour l'aider, tu me rappelles immédiatement. Donc on donne une confiance, le manager donne une confiance qui n'est pas trop lourde à porter, mais il devient vraiment, vous le voyez, accompagnateur. Je te mets en risque, mais je suis là et ce n'est pas trop lourd à porter. C'est une posture qui est complètement différente du sachant qui transmet une connaissance. Cette connaissance, elle a encore de la valeur. Mais je vous l'ai dit aujourd'hui, en fait, sur Internet, je peux avoir toutes les réponses que je veux. Et il suffit que j'aille sur LinkedIn ou Facebook et que je demande un certain nombre de choses à mon réseau. Et je peux avoir la réponse en instantané, là où mon manager mettra un peu plus de temps à me répondre parce qu'occupé à d'autres tâches. Donc la posture change. Et la posture, elle change jusqu'à la reconnaissance. Ça, c'est un gros travers français. Le sujet de la reconnaissance, ce n'est pas juste un merci, mais c'est finalement être en capacité de valoriser le travail qui a été fait par un collaborateur, que ce soit à titre individuel et à titre collectif. Et c'est quelque chose sur lequel beaucoup de managers ont beaucoup de mal parce qu'on ne les a jamais forcément habitués à ça. Ils ne l'ont pas vécu eux-mêmes. J'en fais pas une généralité. Hein, vous avez des managers de toute génération qui reconnaissent. Mais c'est un enjeu qui est assez criant et en tout cas pour nos générations. La relation change. Moi, je ne vais pas me contenter d'un entretien annuel. Globalement, je m'en fous d'avoir une espèce de vue globale de mon année en disant ça c'est bien, ça c'est. Non. Moi, j'ai besoin d'avancer au quotidien. Vous vous souvenez? Tu me donnes, je te donne. Aide-moi à grandir. Donc en fait, j'ai besoin d'être challengé, j'ai besoin d'avoir du feedback bienveillant mais direct, mais qui finalement va me montrer les points où je vais pouvoir grandir. Et ce feedback, il doit se faire en continu sur l'année, avoir une relation qui est beaucoup plus proche avec son manager. Et la reconnaissance fait partie de ce feedback et ses clés. Vous avez différentes formes de reconnaissance financière, mais le plus important est la reconnaissance non financière. Je vous prendrai l'exemple dans une banque qu'on a pu accompagner, où finalement un collaborateur est resté très marqué par la reconnaissance qu'avait témoigné son manager à l'équipe, parce qu'ils avaient relevé des objectifs qui étaient infaisables. Et le manager avait été très clair au départ en disant, en fait, voilà où on veut nous emmener. Globalement, il y a toutes les chances pour se casser la gueule. C'était le verbatim. Et on ne sera pas reconnu pour le travail qu'on fait. Moi, j'ai aucune enveloppe à vous donner pour tout le travail que vous allez fournir. Par contre, je vous promets que je vais trouver quelque chose pour reconnaître ce travail. Toute l'équipe s'est défoncée, ils ont réussi à avoir l'objectif. Et c'était des conseillers bancaires. Et en fait, il les a emmenés dans une salle de marché. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc, mais salle de marché, c'est un bunker. C'est extrêmement compliqué de pouvoir visiter et d'y aller. Il a réussi à emmener toute son équipe de conseillers dans une salle de marché où ils ont pu voir finalement la finalité de leur job, des assurances vie qui vendent, etc., etc. Une manière de reconnaître le travail qui a été fait. Chez Renault, ils ont inventé autre chose. C'est toujours compliqué de remettre de l'argent à des ouvriers qui innovent. Notamment pour des aspects syndicaux, il y a toujours une question d'équité qui se pose à un moment ou à un autre et c'est plutôt normal.
Et donc, ils ont développé un catalogue à la main du manager qui fait que, par exemple, vous pouviez avoir en tant que salarié accès à un coût modique à une Renault Modus pour le week-end. Ben, en fait, votre manager va vous remettre, il va choisir dans le catalogue une reconnaissance non financière qui est que vous pourrez, pour le même budget, avoir une Mégane GT pour le week-end. Ou accéder avec votre famille au musée Renault, qui est quelque chose qui est inaccessible au grand public. Une manière de reconnaître finalement le travail qui est fait. Ce sont quelques exemples, mais c'est important de fêter les victoires ensemble et de valoriser les collaborateurs. Ça, c'est sur la posture qui va permettre de fidéliser notamment les jeunes générations, parce que je montre ce que j'ai à leur apporter. Le manager devient un levier très important d'attractivité des talents au quotidien. Ensuite, il devient un garant du collectif. Je reprends un exemple de Renault. Hier, il fallait être quatre pour porter une tôle. Aujourd'hui, vous allez dans les usines. En fait, vous avez une personne avec un exosquelette, c'est impressionnant, qui arrive, qui vous prend la tôle, qui la porte tout seul et puis qui va la déposer. Donc on n'a plus quatre personnes qui bossent ensemble, on en a une, plus une, plus une, plus une, plus une. Le manager, comment est-ce qu'il devient garant du collectif? Comment il fait attention à ce que tout le monde avance à la même vitesse? Et comment il fait attention aux équilibres de l'équipe face à une individualisation croissante, à la fois des tâches, mais aussi de la société? On a tendance à être quand même chacun un peu dans notre bulle, notamment nos générations.